Alors, ma narratrice qui s'appelle Farah, il va lui arriver à la puberté ce qui arrive à tout le monde à la puberté, c'est-à-dire que son corps va se transformer, sauf que le sien, finalement, va en partie se viriliser de sorte qu'elle est un peu intersexuée. C'est un corps hors norme. Alors, même avant que lui arrive cette espèce de mutation hein, qui va faire d'elle un androgyne, elle était déjà hors norme au sens où elle était un peu ce qu'elle dit d'elle, elle dit qu'elle est un peu loupée, elle a toutes sortes de tares physiques. Bon, elle est un peu ratée. Elle est pratiquement dans tous mes livres, elle est là depuis le premier livre, hein, à savoir Raie de cœur, que j'ai publié en 1996. Le corps aussi, c'est quelque chose qui peut être vécu comme une assignation à résidence, hein, c'est quelque chose qui nous enferme, c'est quelque chose avec quoi on doit gérer toute sa vie durant. Et en même temps, moi j'imagine des corps qui justement échappent un peu aux normes et aux assignations. Hein. J'ai souvent des corps obèses, scarifiés, tatoués, hors normes. Et là, finalement, la communauté que j'ai imaginée, elle rassemble des gens, oui, un peu hors normes physiquement, un peu décrépits, un peu... Il y a le personnage de Victor, par exemple, qui est obèse. Et voilà, ça fait une espèce de petite cour des miracles avec tous ces corps, mais que je maintiens quand même dans une circulation des désirs. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi le désir ne s'adresserait qu'au corps jeune, ferme, beau. Mais c'est une liberté que tout le monde peut prendre, hein. C'est extrêmement facile. Il suffit d'être un peu honnête avec ses goûts et de se demander qui on désire vraiment. Et on verra qu'en fait, le désir souffle où il veut et qu'il ne va pas toujours vers ce que je fais dire au personnage d'Arcadie. Hein. Puisque Arcadie, il est porteur de cette idéologie d'amour global et d'amour libre hein, dans tous mes récits. Ce que je fais dire à Arcadie, c'est-à-dire que tous les corps sont dans la nature et le désir, finalement, le désir peut se diriger très librement vers des corps d'hommes âgés, de femmes âgées, d'hommes obèses, de grands brûlés, de malades, d'handicapés. Alors j'ai imaginé une communauté que j'ai installée à la frontière franco-italienne, une communauté qui s'appelle Liberty House, et ce sont des gens qui sont réunis finalement par leurs angoisses, par leurs phobies, par leur peur du monde extérieur, et en particulier, ils s'installent dans une zone blanche parce qu'ils ont peur des ondes électromagnétiques. Donc ce qui les réunit, c'est une incapacité à vivre dans le monde, mais c'est aussi un certain nombre de principes et de désirs, en particulier ce qu'ils appellent l'amour global, l'amour libre, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde s'aime et que tout le monde couche avec tout le monde. Et donc je les ai installés à la frontière franco-italienne, entre Menton et Vintimille, parce que tout en se voulant couper du monde, ils vont être confrontés quand même au monde extérieur, puisque cette zone est sillonnée par des migrants. Donc les migrants vont venir finalement assiéger la citadelle, l'Éden protégé qu'est cette communauté. De façon aussi directe, aussi frontale, aussi présente peut-être que l'actualité effectivement arrivait moins, affleurait moins dans mes précédents récits, mais elle était là dans la Princesse 2 par exemple, que j'ai écrit au moment de la mort de Michael Jackson, bon ben voilà, j'ai fait arriver cette actualité-là dans le récit. Mais c'est vrai que les questions sociétales sont peut-être plus présentes dans Arcadie que dans mes précédents romans. Ouais, en particulier la crise migratoire, la crise écologique. Il y a des tas de communautés autogérées dans le monde, il y en a en France, hein, et je me suis inspirée de certaines, où j'ai un peu fait ça à ma sauce, hein, j'ai un peu mélangé toutes sortes de communautés pour créer la mienne, mais il y en a plein, oui. Cette fois-ci, c'est une phrase de Colette, j'ai oublié où je l'ai trouvée, mais ça, je peux y remédier, qui était « Tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient ». Et donc, je pensais que j'écrirais sur une forêt, j'ai pas vraiment écrit sur... Enfin, la forêt est là, mais elle est devenue finalement simplement un domaine boisé, et pas la forêt au sens où je l'imaginais initialement. Et donc, il y a quand même cette veine bucolique, pastorale hein, dans le récit, mais surtout... J'ai gardé la phrase « Tout ce qui est vrai d'une forêt, tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient », mais c'est devenu « Tout ce qu'on dit de la vie est vrai ou le devient ». Donc j'ai gardé le moule syntaxique de la phrase, mais j'ai remplacé le mot « forêt » par le mot « vie ». Et voilà, et ça devient, voilà, la vie, elle est belle, elle est dure, elle est longue, elle est courte, enfin, voilà. J'écris depuis toujours, mais je le systématise de plus en plus à partir de formules d'autres auteurs que moi.
Mais ça représente 1% du texte global, hein, donc on n'est pas dans le plagiat. Et il y a une phrase finalement qui est assez emblématique de ma façon d'écrire et que je vais vous relire là maintenant. Alors, c'est un passage en fait où j'ai opéré une espèce de substitution, c'est-à-dire que j'ai réécrit le passage où le narrateur de la recherche mange la petite madeleine trempée dans la verveine, et sauf que j'ai remplacé la madeleine par une verge. Donc ça donne ça. Au moment où sa verge touche mon palais, je me sens traversée d'une joie puissante, un plaisir délicieux qui me dépasse infiniment, une réalité devant laquelle toutes les autres s'évanouissent. Donc ça, ce sont vraiment les mots de Proust dans l'épisode de la petite Madeleine. Et là, ce que je vais vous lire, c'est une seule phrase, donc assez longue, et qui en fin de compte est complètement métissée, traversée de références littéraires. Avec la sensation et la saveur familière de son sexe dans ma bouche, ça c'est Proust, c'est tout mon vert paradis, Baudelaire, qui ressurgit, mes plaisirs et mes jours, Proust, en cet été cruel, ma saison du jouir, Gauguin, à la fois déclenchement merveilleux, Artaud, et commencement du terrible, ça c'est pas de moi, mais je sais pas de qui c'est, avec l'auteur et la moiteur de ses cuisses, je retrouve mon ivresse d'être au monde, mon impatience tandis que je l'attendais sur notre couche nuptiale, herbe écrasée, alors ça c'est une lointaine réminiscence du Cantique des Cantiques, baldaquin malmené par le vent, ma féerie perpétuelle, André Salmon, ma vie habitée par l'amour, Aragon, ma vie en son pouvoir que j'ai cru infini, Éluard. Et ça, c'est une seule phrase, et je crois que j'ai au moins 8 références. Alors, évidemment, je ne me suis pas dit, tu vas écrire une phrase avec 8 références livresques. C'est vraiment des choses que je laisse arriver ou pas dans ma prose. C'est ma phrase, incontestablement, et pourtant, elle est faite à partir de citations, 2-3 mots parfois, hein, d'autres auteurs.